Oh, et je sais pas si vous avez regardé le défi des Sims. Non, mais mon Dieu, quoi. Gomard, elle était, mais... si drôle. Ah! Elle était si drôle, Gomard. Ah, mais... ouais, le speedrun, c'était mais Gomard, quoi. Mais putain! Mais personne veut me... personne veut me baiser et tout. C'était trop drôle. Je vais mourir de rire. Ils étaient tous en PLS à essayer de faire mourir leurs Sims, mais ouais. Eh ouais, moi, Gomard, c'est dans mes veines. J'aime trop Gomard, en vrai. Pam pam pam. J'ai regardé Domingo. Il était en mode compète. Allez, on raconte, offre une rose, on enchaîne. Alors, moi, le Gomard, ça me fait tellement rire. Les voisins de Gomard ont surtout dû prendre des Doliprane à la fin de l'event, j'avoue. C'est tellement fait mourir de rire. La réplique culte pendant le challenge Sims. Ah, mais. Moi, elle me fait mourir de rire, vraiment. Alors, il fallait qu'on rentre, je sais pas où. J'ai plus joué. Gomard aussi qui a fini. Tu avais une. Ah. Ah bon? J'avais une énigme? Ah oui, le truc où avec le soleil et tout, c'est chiant. Elle m'a fait mourir de rire quand elle passait en mode Naruto derrière. Qu'elle fait cette dame là. Immortalisée dans le Figaro, mais ouais, c'est ça. C'est une furie, mais elle est géniale quoi. Et qu'est-ce qu'elle fait? Merci beaucoup pour les 5 millions 7! Clap, 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 clap. C'est elle qui gueulait, bien sûr. Bien sûr que c'est elle qui gueule, c'est Gomard qui gueule, bien sûr. Ah ouais, ça c'est des abdos... insane. Par contre, faut arrêter d'applaudir. Ça va. Ne me dis pas que tu as traversé le désert Gerudo à pied. Bah si, avec mes petits pieds. Ça a dû te faire une belle trotte. Nous autres Gerudo avons l'habitude d'utiliser des morses, des sables pour nous déplacer dans le désert. Né dans le désert. Depuis trop longtemps. Voilà, Zera vient de valider ton entrée aux The Event 2021, si seulement. Ah bah je ferai le cinéma moi. Oh là là, aïe aïe aïe. Jamais l'accordéon, hein, on a dit. Si jamais un jour je fais le The Event, j'y vais avec l'accordéon. J'ai alterné entre Ponce et Gomard, c'était vraiment top. Ponce a pas mal gueulé aussi, ouais. Et il a même pleuré à la fin, c'était très émouvant. Tu cries si bien. Je m'appelle Fressa. Je tiens justement une boutique de location de morses dans la cité. Mes morses sont domestiquées, alors tout le monde peut les conduire facilement. Si tu as des questions à propos des morses des sables, viens me voir. Je suis une véritable spécialiste. Les twitching de trivia, mais ouais. Attrapé. Par contre, tu vas sur le mur? Voilà. Ah mais attendez, je suis sur mon bouclier là, ça va pas le casser. C'est trop bien. Accélérer. Ta 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 ta
Merci Jean-Muche. C'était trop drôle. Excusez-moi, bonjour. Savat. 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 Ah mais c'est les mêmes que j'ai là. T'as d'autres trucs? Combien ça coûte? 180. Ils sont plus jolis, hein. Niveau couleur. Qu'est-ce qu'est là, Savat? Savat. Pas ouf. La merde. Qu'est-ce que tu vends? Du blé, de riz, du riz. T'as cru que j'étais une vache? Allô? 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 Examiner. Recette de la cité. Les effets. Glagla. Ok. Max. Ok. En combinant les ingrédients du même type, il peut être possible d'augmenter l'intensité. Mais on le sait déjà. Vu que Groover m'a déjà expliqué le jeu de A à Z. Pour les gens qui sont comme moi un peu impatients, je recommande la consommation d'ingrédients tempo qui augmente la vitesse de déplacement. Super. L'effet. Non. C'est déjà, on en a déjà vu une. Savat. On va éviter de casser, à mon avis, ils sont pas très gentils ici. Cassons dans les coins. Quoi? Putain, y'a même pas de cadeau! Quel enfer. Putain, par contre, là, les lumières. Ça fait mal, hein. Oh, mes yeux fument! Lunettes de soleil obligatoire. Oh! Il a réussi à rentrer, lui! Bah! Comment il a fait? J'ai un peu du mal avec cette langue. L'autre jour, une petite fille m'a même repris. Pourquoi c'est un garçon à l'intérieur? Attendez, je comprends pas. Ça va, hein? On est obligé de se déguiser pour rentrer et lui, y a pas de soucis. Durian Max. Il est non binaire. Binaire, ok. Madame. Bonjour. Ok, ok. Super. Prends le vent. Le vent que je viens de me taper. Qu'est-ce que c'est ça? Des coussins? Pourquoi il y a des coussins? Ça va? C'est pas de chance. Ouais, c'est pas de chance. Vazak. Désolé, la bijouterie est fermée. Entre cette naborie qui fait des siennes et le balai. On va dire qu'on a déjà connu des jours plus heureux. Oh non, bah je voulais bien des bijoux. Ça s'appelle un râteau. Ah bah non, mais là c'est plus qu'un râteau, hein, je dirais. Hey. Ils aiment beaucoup applaudir par contre ici. Hein. Un petit massage? Non merci madame. Oh de la viande. Viande divine grillée. 140 balles. Oh. Ça va. Bonjour. Ça va. J'ai encore un peu de mal à me jeter à l'eau. Je sais pas, ça me gêne. J'ai l'impression de me faire mousser. Du genre, regardez, je suis une piaf qui parle votre langue. Tu casses pas la tête. C'est pas trop bête. Pas... Dommage qu'il n'ait que de la viande de venaison. Ça va. Oh, flèche en bois. J'achète tout. Flèche de feu. Si cher. Ah, c'est des lots de 10.
qu'elle fait, pour le coup. Ok. Ah, j'aimerais bien monter. Je suis sûre qu'il y a des trucs dans les trucs d'eau là. Mais monte, trou de balle. Aïe, ah, le vent souffle. Ça se moque. Qu'est-ce qui est. Qu'est-ce. Pourquoi. Pourquoi tu jettes des choses, madame. Mais. Un hiver déguisé en femme qui suit une enfant dans un coin sombre. Il est ok. Qu'est-ce qu'il fait. Mais qu'est-ce que tu fais. Arrête de jeter tes. Mais ça va pas. Elle jette ses détritus dans la rivière. Enfin, dans la rivière, dans la fontaine. Par contre, je suis un peu triste. Oh, qu'est-ce que c'est en bas. Ouh. Fais tomber. Y'a pas de coffre. C'est étrange. Allons voir là-haut. Salut Chaps. Coucou Benito. Alors t'as passé un bon week-end? Benito, je le croisais sur tous les chats. C'est trop drôle. Ça m'a fait rire. J'étais mort de rire. Ça passera pas. Ah, j'aurais peut-être dû faire... Un très bon week-end, 50% de tennis, 50% de event. Ah, c'était cool, hein. Putain, c'était cool. C'est bizarre quand ça s'est arrêté, hein. Putain, c'était glauque. Oh, c'est triste. Ok, je suis montée tout en haut. Il se passe rien. C'est les fameux souvenirs. Ah non. C'est une couille feuillue. Trop dégoûté, je pensais que c'était une photo. Trop sad. Pack Reaper a déjà sorti deux best-of, je les ai matés juste après la fin, ça m'a permis d'arrêter le live en douceur. Putain, y'en a qui ont déjà fait des best-of alors que le truc n'était pas fini. Insane. Je sais pas qui c'est, Pick the Repo. I don't know. C'est tout. Putain, juste une couille quoi. Je suis tellement triste. Ouais, le premier best-of officiel, ouais, il sort mercredi, c'est ce que disait Zara. Où est-ce que je dois aller moi. Non mais parce que bon... Mais je dois pas du tout aller ici. Ah bah super. Super ça Charlotte. Faut aller là-bas. Non, faut aller où. Pourquoi y'a ça. Attendez, je sais plus jouer. Qu'est-ce qui se passe. Infiltré. Terminé. Ah, voilà. Juste ici. Je peux pas voler. Non. Et incroyable ce type, il a des rushs au moins une dizaine de streamers, ou alors il s'est tapé tout ce qu'il a été. Ouais, peut-être plutôt les clips, ouais. Qu'est-ce que c'est. C'est mon lit. C'est chez moi.
sans les peluches par contre. Elles sont énormes les peluches. Genre t'as ça dans ta chambre mais tu fais que de pisser toute la nuit non? Bien à partout. Allô? Allô? Bah... Je suis allée dans la chambre. Excuse! Ça va. Madame, Riju. Ça va. Une voyageuse, bien sûr, c'est moi. Oh. Regardez les cuisses. Elle te fout un coup de pied, tu voles à 15 km. Elle déconne zéro, elle. Bétera. Et Bétera, ça fait un peu Beretta, non? Du calme, Beretta. Cette vaille ne semble pas être une voyageuse ordinaire. Quel est ton nom, étrangère? Le beau jambon. Ouais, putain. Je t'avoue, si t'as plus à manger, n'hésite pas. Je vois. Eh bien, Jean Marcette. As-tu quelque chose à me demander? Je t'écoute. Comment? Tu veux monter à bord de Naboris? Seuls ceux qu'on appelle les prodiges, comme Urbosa la Grande, peuvent la piloter. Ils ont péri il y a 100 ans lors du grand fléau, alors ne dis pas de sottises. Marie-Jean. Attends, Beretta. Mère m'avait parlé d'un épéiste tombé au combat il y a 100 ans pour protéger la princesse d'Hyrule. Et là Jean-Marc, avec son plus beau regard, enlève son voile. C'est moi! 100%. Elle aurait alors fait plonger dans un profond sommeil. Il l'appelait Link, comme cette personne. Curieuse coïncidence. Je ne crois pas. J'ai entendu dire que le prodige Ilien portait une épée légendaire. Je ne vois rien qui y ressemble. Si je me souviens bien, la princesse Dirule parlait de cette épée comme d'une lame purificatrice. Il paraît qu'elle l'aurait scellée dans les bois perdus. Rien n'est moins sûr. Les bois perdus. Où sont les bois perdus, madame? Regarde l'objet accroché à sa ceinture. Il s'agit sans doute, aucun doute d'une relique du clan Shaika. Je doute qu'ils aient confié un objet aussi important au premier venu. Quand bien même, il n'y avait pas de Vaï Ilien parmi les prodiges. Ils sont perdus. Ouais. Espèce de vaurien, tu es un voy. Si Beretta a raison, alors tu as commis là un grand crime. Cependant, si tu es réellement un prodige, ça change tout. Jamais nous nous aurions traité rudement un ami d'Urbos à la Grande. Et puis, nous aussi nous voulons calmer Naboris. Je pense que tu as déjà remarqué la présence de cette bête. Celle que la tempête de sable protège et qui foudroie quiconque s'approche. La créature divine va Naboris. Nous devons à tout prix l'arrêter, mais seuls, nous ne pouvons rien faire. Alors à gauche, à droite, puis encore à droite, et après c'est un peu plus loin. Ok, super marrant. Si tu es vraiment un prodige, acceptes-tu d'entrer dans la créature divine? Moi, rentrer dans la créature divine? Pour l'apaiser? Nous ne pouvons pas confier une mission aussi importante à un parfait inconnu. Pourquoi ne pas l'envoyer récupérer les masques du tonnerre d'abord? Nous verrons ainsi de quoi il est capable. Top délire, méga groove. Ce soir, boy, c'est chez lui. D'ailleurs, salut la room, coucou Sévrance. Quel mabou... Mais non, t'es pas mal poli. Ce n'est pas une mauvaise idée. Everybody. Je vais être honnête avec toi. Il n'existe qu'un seul objet capable de te protéger de la foudre que fait tomber Nabori.
une tenue en caoutchouc. J'irais même du latex. Il s'agit d'une relique sacrée qui se transmet dans ma famille de génération en génération, le masque du tonnerre. Malheureusement, crois-le ou non, il a été volé par des bandits. S'il est réellement un prodige, comme il le prétend, il ne devrait avoir aucun souci à le récupérer. Oh. Si tu veux en savoir plus sur les bandits qui ont volé la relique, va parler aux soldats. Va d'abord voir la capitaine de la garde, Sherissa. Elle se trouve dans la caserne en bas. Si, si, sûrement, c'est bon, ça je dis de merde, non, t'inquiète pas. Sans cette... Le caoutchouc, c'est sûr que non. Normalement, c'est ok. Si tu as des bottes en caoutchouc, normalement, c'est ok. Sans cette relique, il est impossible d'approcher d'un Boris sans se mettre en danger. Ce n'est pas tous les jours que nous recevons un invité comme toi. C'est sûrement Urbos à la Grande qui a guidé tes pas. Right, sir? Bonjour madame! Ah ah! À moi. Tu veux te fight? Tu veux te fight? Tu veux te fight? Vas-y! Vas-y! Ok. Qui veut mettre sa kick? Dans une prise avec une protection latex, c'est pour la science. Qu'est-ce? Quoi? Bonjour Natoud, et ben bienvenue. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Les modes, la kick, ça va la kick. J'espère que je n'entendrons pas une discussion très intéressante. Ils sont pas bien bavards ici. Hein. Let's go. Qu'est-ce que tu fais là toi? Ce sont les baraquements des soldats assurant la protection de notre chef. Merci Anatoud pour le follow. À cause des bandits, la sécurité a été renforcée. Les civils venus faire du tourisme n'ont rien à faire ici. Mais c'est madame là-haut qui m'a dit de descendre. Beretta? Pardonne mon comportement, je m'appelle Sherissa. Je suis la capitaine de ces soldats. La relique de notre peuple a été volée il y a peu par des bandits. Merde, j'ai pas tout lu, j'ai cliqué. Nous avons bien repéré leur repère, mais au fond de la vallée de Kaltis. Mais c'est trop difficile d'accès. Mes soldats sont exténués. Je voulais justement recruter de nouvelles têtes pour reprendre les recherches. Écoutez-moi, soldats. Cette vaille, Ilienne, va nous donner un coup de main. Je compte sur vous pour l'assister. Pas besoin d'assistance, madame. Tu fais partie des nôtres, maintenant. Putain, ouais. Si on pouvait passer des entretiens d'embauche aussi rapides. Si tu as des questions, n'hésite pas à aller voir mes soldats. Elles te donneront des informations précieuses. Super. Balek. Bonjour, merci, au revoir. J'ai ni besoin du pire, ça. Vingt rubis. Non mais t'y as cru? Moi j'en prends un gratos devant la maison là. Devant les portes. Mon ordi s'est éteint, il restait 20% sans le changement de batterie. Courage. Comment on sort d'ici? Pas par là. Ok. Alors maintenant est-ce que c'est à gauche ou à droite? Je dirais que c'est ici. C'est ma première fois, Benito. Ah. C'est ma toute première fois. Toute première fois. Jean-Diego. Quel fils?
J'entends parler de latex. C'est rassurant. Hey. 20 balles? Mon cul, ouais. Boum boum. Par contre, va plus vite. Qu'est-ce que c'est que cette chose bleue là-bas? Plus de bruit quand tu te déplaces? Oh là là, Jean Diego, quoi! Est-ce que ça abîme mon bouclier? Hey. C'est vrai que tu n'as pas mis découverte dans le titre. Mon mauvais, je m'en occupe. Nani. Oupsi. J'ai froid. Je pense pas pour le bouclier. Ah. Entre parenthèses, découverte. Ils ok. C'était quoi Tweet Now, je crois. La commande pour tweeter. Oh, je ne sais plus. Tweet Now, je crois, mais je suis pas sûre. Je vais vérifier sur les internets. Avant de faire des conneries. Des conneries. Ouh, 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 ouh. Connerie. Tweet now, exactement. Copier. Coller. J'écris en gros pour être sûr. Voilà. C'est ok. Et donc, 3 ans après tout le monde, c'est quoi ton avis pour l'instant sur le jeu? Une petite note à donner? Bah, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce jeu. 10 sur 10. Oh purée. Après, faut savoir que je suis quand même un bon gros boulet. Hey. Quoi? Chic. Bah. À moi. Aïe aïe aïe. Jean Diego. Quoi? Alors hey. Toi un boulet? Non, tu peux. Si, il y a des défauts, bien sûr. C'est que je l'ai pas connu avant. Oh. Qu'est-ce qu'il fait? Allô? Oh oh, nul nul nul, Chacha. Arrête de gigoter! Arrête de... Ah bah bien ça, Chacha. Oh là là, quelle action. Ah. J'avais pas vu, j'avais plus de vie. Oh, il me jette des cailloux, quoi. Arrête de gesticuler! Salut Sard. Oh. Oup. Chip. Ah.
Trop de balles. Mip. Bah, y'a pas une arme au sol? On est là. Dans ton cul, pardon. Wendell est méchant. Non, c'est pour les faibles. LOL. Wendell est toujours méchant. Wendell est là. Oh, je viens ici pour prendre une petite dose d'amour et de bienveillance. Allez tous niquer vos mères. Wendell. Mais d'où? Tu dis que je suis faible. Alors que c'est faux. Je suis jamais méchant. C'est quoi ces amalgames? N'importe quoi. Hop là, c'est à moi. Il s'est eu. Non mais ça va? Espèce de tête. Oh là, par contre ça repop à l'infini. Ah ouais d'accord, c'est un peu la merde par ici là. Barrez-vous. Qu'est-ce que... Tiens. Ouais, c'est ça. Roucoule, tiens. Tiens, va. Ouais, c'est ça, vas-y, je gesticule. Quoi? Quoi ça? Hein? Trou de balle. Mais prends-la dans ta tête, en fait, un moment. Fils. Oh, un cop. Non, t'as été gentil, Wendell, sur le Discord. C'est vrai. On va pas t'enlever ça. Topaz, de l'argent. Est-ce que j'ai des trucs max? Aïe, 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 aïe. Non, mais il est pas méchant. Manquerait plus qu'il morde. Je viens de dire que t'es gentil. Je vois pas où est le problème. Cassinu tu. Mais non, je dis qu'il est gentil. Il a pas été désagréable sur le Discord de tout le week-end. Presque. Je pense qu'il a dû l'être à un moment donné quand même, mais... Malgré lui. Manquerait plus qu'il morde. Je sais pas, je vous lis quoi. On peut donc en conclure qu'il est gentil en vrai. Je dis bah manquerait plus qu'il morde, tu vois. Voilà. Sinon je t'affiche sur Twitter. Tu sais, j'ai tellement une commu incroyable sur Twitter. Je pense que personne ne l'a fait. Petit œuf de poule là. Avec 2-3 champipotes. Puis une petite noisette. Let's go. Mais ouais, il est jamais content, Wendell. C'est un éternel insatisfait. Que veux-tu? Est-ce que j'en fais encore? On peut se faire des petites baies avec une petite pomme. On n'a pas une tranche de pain? Un petit radis max, qu'est-ce que ça dit ça? J'ai jamais dit que t'étais méchant. Hein. Rien à dire. Par contre, que t'es susceptible. Ah la saloperie.
Petite banane. On a plein d'herbes là. On a plein d'herbes. On a plein d'herbes. Tu manges de la quiche? C'est bon la quiche. Boulette aux champi, c'est ça rigole de zéro là. Le sel, c'est cool. J'aime bien le sel aussi. Merci pour le follow, Archeillet. Ah, oh, cette main qui bouge. Dégueu. Bon, en tout cas, je suis plutôt contente. Les nouvelles émotes, elles passent bien sur le Didi. C'est plutôt cool. Le piment de Cayenne. Ouais, non, ça c'est vachement moins cool. Allô? Allô? Coucou, Kouipou. Coucou. Ah, hi. Comment vas-tu? Allô? Allô? Mip, 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 mip. J'en mets quasiment sur tout. Ah ouais, mais... J'allais me laisser faire. Y'a pas une petite crotte feuillue là? Pourquoi y'a autant de pierres? C'est vraiment un lâche, ouais, c'est clair. Oh! C'est à moi ça. Ah non, ça n'impacte pas mes problèmes d'intestin. Ah ouais? Putain, mais moi, ça me fait souffrir. Ah! C'était un beau lancer, ça, tiens. Lardon, champignon, tomate. C'est bon ça. Moi j'ai mangé de la purée de patates douces avec du jambon. C'est bon. Mon problème c'est mon système immunitaire, pas mes intestins. Ouais. C'est pas faux. Ah, moi je mange du piment, tu me retrouves à l'hôpital. Mais il y a celui déjà venu ici. Tu tombes pas. Comment ça, tu tombes pas, Jean-Diego? Ah, voilà. J'adore la moutarde. C'est si bon. La moutarde à l'ancienne, hein, par contre. Pas n'importe laquelle. 5 ou 6 morceaux de fromage pour après la quiche. Morbier. Oh, le morbier, c'est de chez nous? C'est si bon. Ah! C'est si bon le morbier. Ça pète des gueules. Hein. Ça déconne zéro. Ah. J'ai mangé une salade Sodebo spéciale dédicace. Oh non, Myler Jax. Quel enfer.
Morbier, c'est la vie. Jambon moutarde. Ouais. Gaël qui se fait auto-censurer. Ah, j'avoue. Jonathan. Ah, voilà. Ah, c'est à cause du A. Je. Fais chier, Moubot. Je vois les messages des lettres. Non, il voit rien du tout. Coucou, pléonasme. Ça donne fin, tout ce morbier. Oh, de ouf. Et du coup, Gaïa, la cancoyote, même si c'était une marque, somme toute... Vous voyez. Ça va, il me jette des tonneaux à la gueule, lui. Tiens. Vu. Too bad. Bah, elle tombe dans le trou. Non mais normalement quand je... Voilà. Comment tu dis cancoyote toi? Bah cancoyote. Merci BTTV. Quoi? Ça tape dans les noix sans aucune forme de pitié. Exactement. Bah je t'ai dit, oui. Pas mal du tout. Après, ma famille a aimé presque plus. Hein. Donc toi, t'en as quasiment pas mangé. C'était bon, mais pas ouf, quoi. Oui, mais on s'est dit sur Discord, tu vois. Pardon ? Avec BTTV, avec machin truc, tu peux voir les messages supprimés. C'est bien ce truc là? Ou pas? Oh! Trop bien. Ah ouais? C'est fou, moi je connais rien hein. Zéro de culture. Oh, je suis nul à chier. T'essayais de me taper, toi? Foule-moi le camp, va. Mais oh. Barre-toi. Bon, je te fasse du mal. Kill BTTV, mais ouais, c'est ça. Ah, mais il subtilise les pots. Ah. Attends, excuse-moi, j'ai plus d'armes. Voilà. C'est quand on tac, il y a une alerte sonore. Oh, quel enfer. Myler Jax. Ah. Oh, Jonathan. Myler Jax, il est gentil. Il y a l'autocomplétion. Ah. Coucou Sluggy. Il y a l'autocomplétion des émotes avec la touche tab, le mode studio automatique quand tu arrives sur un stream. Tu peux disable un peu tout ce que tu veux sur Twitch. Ok. Myler Jackson.
s'est fait houspiller. Quoi? Mais... N'importe quoi. Bon alors, qu'est-ce que je dois faire là? Parce que du coup, on discute et je suis absolument pas ce que je suis en train de faire. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai l'impression d'être déjà venu là. Ah! Bon bah voilà quoi. Bon, vous êtes prêts pour ce soir du coup? Je sais pas si je vais regarder moi. J'ai un peu peur des sujets, j'ai un peu peur des... de m'énerver. Pour écouter le débat? Ouais. Ouais, ouais. Il y a un débat ce soir. Oui, chez Pantoufle, il fait les débats ravagés. Ça va être dur ce soir. Bah, c'est intéressant, mais après, voilà quoi. J'ai du mal. Quand je suis pas d'accord avec quelque chose, en général, c'est compliqué quoi. Tu vas pas toi, Skyfred? Ah, je pense que. Ouais, mais la semaine dernière, c'était sa première, c'est normal. C'est normal que ce soit un petit peu compliqué. Je pense. Foncher ces trucs. Quel pot lancé. Insane. Mais il est sérieux ce jeu? Comme ça, on... On sera prêt. non, les modos, non. On n'a pas le droit au lien, mais tu peux le mettre, nous, on leur copie-colle après. J'ai absolument envie de savoir ce qu'il y a derrière, là. Comment je fais? Ah, oh. Ça se tente, hein. Je peux pas diriger? Je peux vraiment pas diriger. Ça va servir à rien ce que je viens de faire. Ah si. C'est à moi. C'est nul. Bouclier du soleil. Même ici, il essaye de tricher en donnant des indices. Du quoi? J'ai pas suivi. À moi, il est beau. Cimetière. J'avoue, Wendell, par contre, j'ai vu une facette de toi. C'est rien, Chaps, tout va bien, ok. Je t'aime pas pour la caméra, on pourra en reparler sur Didi. Ah, t'as trouvé une solution? C'est juste concernant ton post Twitter sur le Nerdtourne de...
J'ai fait un post Twitter? Ah oui. À ce moment-là, elle passe derrière Samuel Etienne qui raconte du contexte, je n'ai pas vu. Et oui, j'ai vu. Non mais elle est trop drôle. Non mais Gomard, moi, elle me fait mourir de rire. Pourquoi je peux monter là? Est-ce qu'il y a une autre... C'est la nuit noire? Enfin la... Non. Ok, j'ai entendu un petit bruit. Ah et ça a été délaté. Arrête de groover, Wendell. Il est beau ce bouclier là. Mais je connais pas. Il y a un gros trou. Pourquoi il y a un gros trou comme ça? What the... Be careful, ça glisse! Oh là là, mais on dirait des dents d'animal! Qu'est-ce que c'est que ça? Ne pas y aller. Eh ouais, Groover! Tu te rends compte? Il y a des rêves sur toi maintenant. Et donc, quelle facette de moi avez-vous découvert? Bah, ta facette de tricheur. On s'en serait bien passé. Vous voyez? Ne pas y aller. Non, ça pue du fion. Je comprends pas cette histoire de tricheur. Mais non, c'est juste que tu donnais toutes les réponses. On n'était même pas encore à la question que tu sortais déjà la réponse. Donc, c'est un tricheur, c'est tout. Qu'est-ce que c'est? Des fleurs? Ok, pourquoi? Dans le désert? T'es dans le désert. Ouf. Ouf. Mais quoi? Allô? Oh non. Est-ce qu'il faut aller dans le trou? Oh, fais chier. Faut passer par le trou. 100%. Ouais. Napoléon, tu ronfles. C'est très désagréable. À moi. Une torche. Torche. Le feu, ça brûle. Torche. Ah. Pauvre Matou, bah il ronfle. Ça va. Torche. Quoi ça? Oh, ils font peur. J'imagine qu'il faut que je prenne une torche, que j'enflamme des choses. Flambe. Quand tu veux. Allô? Me fais pas. Mais! Oh les saletés! Putain ça. Je crois que je t'entends pas, Fouinas. Mais.
Dégage. Saleté, hein. Sympa ce passage dans le jeu. Ah bon? Vas-y. C'est bon? On a fait tout là? Saloperie ça. Et maintenant j'ai oublié le passage. Et ça, ça brûle? Ça se trouve, il y a un coffre là. Quand j'arrive à se voir dans une maison et qu'elle voit une bougie allumée, elle frotte les rideaux. Regarde, regarde. C'est à moi ça. Bégrier. Insane. Le bois brûle, incroyable ce jeu. Ça doit être ici. Cependant. À moi. Des rubis. Oh, les rubis. Une petite musique bien angoissante là. It's ok. C'est où? Ah, ça sauvegarde. Repère des yeux. Oh non. Attendez, c'est les ninjas là. Ils sont trop forts eux. Faut que j'aille libérer la dame. Chut. Yige. Vous pouvez me Théo. Mais pourquoi vous voulez Théo? Mais qu'est-ce qui se passe? Je dois sortir d'ici. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est le repère des bandits qui ont volé le masque du tonnerre. S'ils te trouvent, ils appelleront leurs camarades. Et là, ça sera fini. Seulement, il y avait un moyen de les distraire. Mais tout ce qu'ils font, c'est patrouiller au moins, j'étais pas là. Quoi qu'il en soit, c'est trop dangereux, alors enfuis-toi. Je trouverai bien un moyen de m'en sortir toute seule. D'accord. Bon courage. D'accord. Souvez. Mais parle! Tu es encore là? Si tu te trouves, ils appelleront leurs camarades, ça ne se fait pas de toi. Ils sont tout le temps. Trouvera bien moyen de sortir. Mi. Mi. Ce live ASMR qui commence. Bonjour à toi. Bonjour du Balex. Non, non, pas d'ASMR. Juste un peu RP. Faut pas qu'on se fasse attraper. Je regarde dans mon. Je regarde de l'autre côté du mur. Fait peur, elle. Et là, les flageolets. Oui, oui. Je pensais que ça allait faire comme comme les bêtes et que ça allait le one shot, mais en fait pas du tout. Pas grave. Ah, il pique lui par contre. Ah oui, d'accord. Lui il est pas gentil.
Autant les petits sont ok. Alors lui, pas du tout. Bon, on va pas se faire voir du coup. Note à soi-même, ne pas faire ça. Ouais, il pique un peu. Hein. En plus, j'étais coincée contre le mur, j'avais la caméra qui était pas du tout au bon endroit. Mais maintenant, on sait. Blabla. Ah mais j'ai pas besoin de lui reparler. Ah il est gros, il est pas très gentil. Hein. C'est quoi son pattern au gros sac là? Oh, c'est vrai, Groover ? Ah, oh, t'es gentil. Bah bien sûr, il y avait un chemin à prendre, je prends l'inverse. Of course ! Je vais me retrouver nez à nez avec l'autre pintade. Ça passe. Il en a rien à foutre! Quoi ça? Ça promet hein, le 31 octobre quand on va faire la soirée sur Phasmophobia, hein, ça promet. Hein. Oh, très bien. J'avais pas encore la tenue de Fufu. J'ai eu la clairvoyance de faire une zone Gerudo. Ah. Pas facile cette zone. Quoi ça? Nani? Shot. Je suis coincée dans le mur à l'infini. Pire cachette. Puis moi je... Et moi je reste contre les murs. Si je bouge pas, il me voit pas. J'ai une super tenue. Si je bouge pas, il me voit pas. Ce soir-là, j'ai prévu la cagoule pour me cacher. Ah ouais, non mais ça va être un enfer. Aïe aïe aïe. Oh non mais il faut recommencer. Donc faut vraiment pas courir. Si tu cours, il t'entend, Jean Diego. Hein. C'est à moi. Ah.
s'en bat les couilles. Putain, mais il va pas plus loin que ça. Nani. Quel fils. Coucou. C'est ok. Mais, une échelle. En hauteur, toujours. On est mieux. On est mieux en hauteur. C'est ok. Sauvegarde. Mais madame, regardez maintenant. Elle est en train de revenir. Connard. Je la vois bien jouer à Hitman. Non. Non, mais je suis la pire en infiltration. Mais cette caméra, insupportable. Il faut que j'aille au milieu, j'imagine. Ce qu'il y a de bien, c'est que je sais pas du tout où faut aller en fait. Donc je fais des trucs. Je suis des chemins. Ah, j'imagine qu'on peut faire plein de choses avec des bananes. Genre les poser à un endroit et les Diego vont venir. Non, c'est. Je suis coincée dans le mur. Mais ouais, mais c'est chiant ça. Fu. Et comment je sors de là? Uniquement par là. Merci pour le follow, Francis. Bienvenue, Francis. Alors attendez. Où sont les gens Pedro? Est-ce que je peux jeter des bananes? Je peux faire un test de jet de bananes. Fais pas des choses comme ça, Jean-Marc. Moi, je... j'ai pas le cœur pour, hein. Personne n'a vu ma banane. Jean-Diego, Jean-Diego. Donc il faut que je monte sur le truc du milieu. D'accord. Sois furtive, sois féline, mais surtout sois habile. Bill. J'aimerais déjà visualiser la sortie. J'imagine que c'est là où il y a le trou de balle. Mais donc c'est qu'il y a soit ici, mais c'est pas gardé, soit là-bas. Sauf que... Il y a un coffre en face de moi. J'imagine que je ne peux pas escalader. Donc, ça veut dire qu'il faut monter sur ces choses. Sauf que comment j'y accède? Généralement, le trou de balle fait office de sortie. Il est vrai. Oui. C'est un fait. C'est faux. Oh, oh. De l'argent. J'ai eu la frousse. J'ai eu la frousse. Ah ben quand il s'agit d'argent, Jonathan, je suis là. Oh, je peux monter là-bas. C'est là-bas qu'il faut aller. Sauf qu'il y a Jean Diego et Jean Pedro. Coucou mémé. La chaise gaming.
Il va où après? Je n'ai absolument pas étudié son chemin. Nathine. Ok. Oh. Ce jeu qui fait peur. Tout ça pour un coffre, hein. T'es tu. Admiré quand même, hein. J'ai pas fait trop de gaffe, je trouve. Et là, c'est un truc qui hurle, t'imagines, tour? Ça hurle. Oh, 100 balles. Tout ça pour 100 balles. 100 balles! Tu te débrouilles bien. Alors, vu que je me débrouille bien, ça veut dire que tu te sens nul. Donc ça veut dire que tu as une estime de mon niveau quand même relativement basse. Hein. Alors, attendez. Est-ce que je dois aller de ce côté-là? Moi, je dirais que oui, hein, vu qu'il y a Jean Diego. Ou de l'autre côté. Eh, ça y est, ça interprète. Bien vu, le full furtif. Merci. Dans ma logique, c'est censé être un endroit gardé. Si je lui fais tomber des bananes, 100% il descend. Sauf que... Faut vraiment que je les fasse tomber au bon endroit. Ah! Jean Diego! Qu'est-ce qui vient foutre ici? J'ai pas vu venir celui-là! Ah, je l'avais! Voilà. Bon, bah ma théorie était nulle à chier. Génial. Miaou. Merci au Sweet Berry pour le follow. Oh. Comment on fait déjà? Merde, je sais plus. Non, c'est pas... Ah. Ah merde. Double encoche. Bam bam. Ok. Ah. Comment je sors de là? Il y a Jean Diego. Oh non, si je perds, je recommence tout depuis le début.
Moi, on a rendu un heureux. Ah, y a l'autre en face. Il va pas me voir. Il est dégoûté. Pardon, mais... Non. 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 Trop risqué. Ah, au moins il est plus près de moi aussi. Pardon ? Quoi ça ? Comment ? Ah purée, puis y a l'autre pain de pain là qui va... Ça va. Des bisous, Benito. Ouf. Ça se passe vachement bien. Ça se passe super bien. Un bijou. Ciao, Benito. Ciao, ciao. Alors, Jean-Mich-Mich là, Jean-Mich-Mich là, et il y en a un qui est posé en bas, mais de ce côté-là. Pourquoi je n'en sais rien. Alright. C'était l'entrée. Je me suis fait brain. Par où je pars? Où dois-je aller? Miséricorde. Qu'est-ce que je dois foutre, putain? J'hyperventile. Qu'est-ce qui est quoi? Vous avez atteint le repère des bandits, vous sentez la présence de nombreuses... Infiltrez-vous dans le repère sans vous faire remarquer et récupérez la relique. Ah! Elle est où la relique? Oui, je vais y arriver. Faut juste que je trouve ça. J'imagine que c'est devant lui, là. Donc, 100%, je peux rentrer dans ce bâtiment. Est-ce que tu peux grimper, s'il te plaît? 100%, c'est là-dedans. Ça veut dire qu'il faut que je fasse gaffe derrière moi. Ah, yaou, pardon. Merci pour le follow, Sasa. Jusqu'où tu vas, toi? Alright. Il est où? Est-ce que je peux faire brûler des choses?
Faudrait que je remonte. Aïe aïe aïe, ça veut dire refaire tout le tour. Non, non, non. Il va nous faire chier, lui, hein. Je peux vraiment pas escalader le bâtiment, là. Je pense pas que je puisse escalader. Ce serait beaucoup trop cheaté. J'en veux plus. Écoutez les gars, moi j'ai vu un tonneau bouger. Je vais quand même pas se mentir. Qu'est-ce que fout ce tonneau ici? Pour autant, c'était pas du tout là où je pensais. Je pensais qu'il y aurait une porte derrière lui. Il n'y a pas de porte. Est-ce que je dois faire cramer ça? Maybe. Quelle espionne. De ouf. Tu es où là? Dans le tonneau. Tu es le tonneau. Le tonneau est moi, oui. Je comprends pas. Et moi, à mon avis, il faut faire cramer ce truc, c'est possible. Hein. C'est-à-dire qu'il faudrait que je remonte. Je suis plus à l'aise en hauteur. Parce que j'ai peur de sortir de mon tonneau maintenant. Il lui a dit que c'était un fût de bière. Bonjour. Bonjour, bonjour. Wrong. On va essayer de faire cramer ça. On va voir ce que ça dit. Coucou, Père Rococo. Est-ce que tu peux t'en aller, s'il te plaît? On va essayer de tout faire cramer, hein. Au pire. Au moins tu visites. Ah ben. Ça fait sûr. Ça brûle pas. Ça brûle. Le mec passe à côté du feu, il ne voit rien. Pas une porte derrière? Ah ha! Balèze. Oh, quelle stupide personne que je suis. Oh, y'a, y'a, y avait un truc ici. Il a un masque sur son visage, c'est vrai. Covid free. Pour autant. C'est une salle qui ne me dit rien qui vaille. Ça pue du fion par ici. Chop chop. Élémentaire, machin chop.
il faut que je passe là. Est-ce que je peux funambuler là-dessus? J'ai pas confiance. On va. Oh, Kiki. Funambulé. Oh, 300 balles. Alright. Putain, mais je croyais que c'était la sortie, moi. Qu'est-ce que c'est que ces choses-là? Je suis en bois. Ça brûle pas. Monnaie. J'ai peur que... Voilà. Trop peur. Tu viens de trouver 600 balles. Bah, je préférais trouver la sortie. Je bite pas où elle est, quoi. Coucou, Tiboule. Tibouli. Déboulé. Nani? Vas-y, elle est où, là? Ouais, mais oui, je trouve la pièce avec les coffres, c'est cool. Mais je trouve pas la sortie. Mang, quoi. Je suis trop débile, c'est pas possible. Et pourquoi il y a ce truc au milieu, là? J'y ai cru parce qu'il y avait l'œil. Voilà. C'est pas mes pas, je me sens oppressée. Donc, là, il n'y a pas de sortie. Là, il n'y a pas de sortie. Là, dans le fond, il n'y a pas de sortie. Là-bas, j'y suis allée. Est-ce que je l'ai loupé dans l'autre pièce, là-bas? Là-bas non plus. Et là-bas non plus. C'est juste une salle, quoi. Non mais je suis débile, c'est pas possible. Are you kidding me? Faut que je repasse derrière Jean Muchemuche là. Je vais me faire choper. I am débile. Oh oh. Je vais retourner là-bas. Hein. Peut-être louper un truc. Pas une trappe. Qu'est-ce que je dois faire? Ah, Kaamelott est reporté. Écoute, moi je trouve pas la sortie, ça me saoule aussi. Attends. On en a eu que 3 des coffres, du coup. Putain de merde. Pousse-toi. Oh,
Oh my god. Ah. Oh. GG. Je suis trop débile. Excusez-moi. Ouh, ça sent l'arène là par contre. C'est bon. T'avais trouvé la salle des coffres aussi? Oh. Da? Oula, t'es moche toi. Arrêtez la bière, monsieur. Ouah, t'es qui toi? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est là où je fais ma sieste, alors du vent. Il bloque. Allez. Ce truc accroché à ta ceinture. Me dis pas que c'est une tablette Sheikah. C'est bien elle. Oh. Alors dans ce cas... Moi, c'est toi, Jean-Marc? Le minus qu'on cherche partout? Oh, look at me. Notre proie est venue se jeter dans la gueule du loup. Mais quel abruti! Comment ça, arrêter la bière? Mais regarde son bide. Mais attends, quel manque de savoir-vivre. Je ne me suis même pas présenté. Je suis... le chef suprême. Oh, le beau, le puissant. Le seul. L'unique. Le grand Koga. Prépare-toi à mourir. Alors tu te calmes. J'ai mis Faton là ou pas? Je crois que oui. Charlotte, si tu utilises jamais tes armes. Ok, j'ai compris la leçon. Presque. Let's go. Prêt. Là, j'ai qu'une main. Est-ce que je peux sauvegarder? Yes, ça. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Attends, non, 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 non! Gâchis, gâchis! Pas non. Non, j'avais pas gâché une flèche. Quoi? Ah! Mais comment je fais? Attends, 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 y'a un truc que j'ai pas buté là. Ah, peut-être! Alors. Bah non, je peux pas, y'a pas d'eau. Réfléchis. Peut-être ça. Quoi ça? Oh. Ah d'accord. Super. Tu m'emmerdes, Jean-Michel, là. Mais qu'est-ce qu'il me veut, là? Vas-y, va là-bas. Ou bas. Mais... je peux pas m'approcher de lui. Faut que je le refoute ces trucs dans la gueule. Mais qu'est-ce que tu... Mais que quoi? Comment que je te tape, moi? On laisse t'exciter, hein. Mais je peux rien lui faire à tête de cul là. Ouais non mais je peux l'avoir à distance comme ça. Bah laisse tomber, attends. Ah ok.
Ok. Tu nous la chier, Charlotte. C'est bon. Doudou. Vas-y, tombe dans le trou. Pas content. Ah, bah là ça me... Ah ouais, donc faut le timing de ouf là. Il m'a fait peur, ce con. Pardon. Bonjour, Caïn. Excusez-moi. Mes protés. Mes fils. Paf. Deux. Putain, mais j'aurais jamais assez de... J'aurais jamais assez de flèches. Pardon. On va se calmer, hein. Quoi ça? Chier. D'ailleurs, je trouve que c'est un peu trop facile, du coup. Impossible que t'arrives à me tenir tête, t'es Caminus. On slip en plus. Si tu crois que je vais laisser passer un tel affront, faut pas que je laisse la colère prendre le dessus. Tu me tapes vraiment sur le système, il est pas question que tu continues à m'humilier comme ça. Vas-y, elle fait trop l'ancienne. Attends, ça va, hein, j'ai pas eu trop de mal. J'ai une idée. Allez, il va y avoir plein de gens. 100%. Fils. Les choses sérieuses vont commencer, tu m'obliges à utiliser l'arcane secret de mon clan, tu vas payer. J'aurai ta peau. Mais il me refait le même truc. Mouah, t'as jamais vu un truc aussi énorme. Je te vois même plus, peu importe, puisque... Seul le chef du clan peut utiliser cet arcane. Bye. Bye. Lâche. Je m'en souviendrai. Parfait. Les petits jeunes, je vous confie l'avenir de notre clan. C'est quoi ce boss? Tu devrais faire du doublage. Te moque pas. Ah ouais, mais après, il faut que j'aille rechercher Pimpin, donc... Je suis sérieux. Non, mais c'est grâce au GoXLR, hein, c'est lui qui trafique les mots. Masque du tonnerre. Yay. Incredible. Pour autant... Non. Yop. C'est un imbécile qui joue avec des boules. Mais ouais. Faut que j'aille chercher Pedra? Non? Qu'est-ce que... Quoi? Quoi ça? IQ! Facile. Si, si, j'ai remarqué, mais je l'ai pas mis sur ma tête, donc c'est ok. Pas que je le vois trop près, c'est tout. Il
Ah ouais, attendez, faut que je mette mes, mes habits de lumière. Oh, ça va. Ça va. Fais doublage de dessin animé, je me régalerai. J'aimerais bien, hein. Mais faut aller à Paris pour faire ça, je pense. Qu'est-ce qu'il veut, Jean-Diego, là? Bonjour, mesdames. Ça va. Oui. C'est en train de gueuler. Ça l'est? Eh, ça l'est? Bonjour madame. Quoi? Elle est dans sa chambre. Oh, elle est dans sa chambre. Ah non. Bonjour! Elle fait à peu près sa taille, hein, c'est ok. Hein. Je m'attendais. Je ne dis rien, je sais déjà tout. En tant que chef de Gerudo, je suis capable de sentir la présence de notre relique. Son pouvoir émane de toi. Comme tu l'as bien évidemment remarqué, je suis encore qu'une enfant. Mais je te connaissais il y a 100 ans. Mon peuple me regarde toujours avec bienveillance, mais ça m'est parfois difficile à supporter. Je fais tout mon possible pour qu'il me considère comme une véritable chef. Mais le jour où la relique a été volée, la honte et le désespoir se sont emparés de moi. C'est alors que tu es apparu. C'est sûrement Urbosa la Grande qui a guidé tes pas. Bien, donne-moi le masque. Il me va bien. Glauque as fuck. Moche. Pois caca. Quatre œils. Quel enfer. C'est moche. Putain, mais c'est une statue, la nana, tellement là d'artifice sur elle, là. 4 pas 6. 8. 6. Oh, j'ai plus compté. C'est ma vision périphérique quand je vois des yeux d'araignée. J'arrête. Ah. Oh, ça va. Mais c'est rapide, hein. À chaque fois qu'elle pose les yeux sur ton épée, son cœur se serre. Quel enfer. Il y a une double lecture, hein. C'est France. Peggy, 18. Attends, faut que je mette celui-là. Peggy, 18. Oh, c'est vachement grave, hein. D'accord, ça. Mamotte yarundayo. Antanane. Antanane. La robe? Cachez-moi ça, mademoiselle. Aïe, aïe, aïe. Eh, c'est un jeu pour enfants, merde. Aïe, aïe, aïe. Moi aussi, j'ai eu peur, là. Oh, Jean-Marc! Vachement drôle, hein, de faire peur à quelqu'un qui dort. Incroyablement drôle. Meilleure blague! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Peu importe. Dis-moi,
Dis-moi plutôt s'il me va bien. Il te va bien, il te suit à ravir. D'ailleurs, garde-le que je ne le vois plus jamais. Varna Boris ne patrouille plus au même endroit depuis que nous avons commencé à chercher la relique. Bientôt, elle menacera notre cité. En tant que chef, en tant que Gerudo, il est de mon devoir de l'arrêter, quoi qu'il m'en coûte. Viendras-tu avec moi, bien sûr. Comme c'est étrange, nous allons au-devant d'un grand danger. Et pourtant, ces simples mots suffisent à me rassurer. Je pars devant. Retrouvons-nous au poste d'observation, qui se trouve au sud-est de la ville. Nous ne pouvons pas approcher de Naboris à moins d'y aller avec les morses. Le poste d'observation n'est pas très loin de la cité, mais je te conseille de t'y rendre en morse pour t'y habituer. Moi et Madame Patricia, mon morse des sables préférés, nous t'attendrons. Ah, elle donne des prénoms aussi à ces bestioles. Drôle. Quand même, hein. Elle est vraiment gigantesque. Ok. Est-ce qu'on y va maintenant? Est-ce que Madame a récupéré ses bijoux? Vu que j'ai enlevé les voleurs, là. Le roi des voleurs. Ça va? Nope. Elle parle de l'épée de Jean-Marc. Quoi ça? Faut que j'aille chercher mon épée? C'est vrai que j'irais bien chercher l'épée. Forêt perdue. Ça promet. Mais non! Tu comprends rien à mes blagues, Charlotte! Oh, je suis désolée. Je suis un peu fatiguée. C'est où la forêt perdue? Y a pas trop de forêt du tout, en fait. Là, forêt de Damsel? Damsel. Forêt de Firon? Non, on y est déjà allé. Peut-être? Alors peut-être? On sait pas, elle est perdue. Et peut-être là. Ou peut-être qu'elle est dans cette zone. Hein. Il y a encore tout ça. Hein. La forêt de Damsel, elle est pas perdue vu que tu la vois. Ok. Bon. Excusez-moi, madame. Arcane, ouais, c'était pas très malin, ça, pour le coup. J'avoue. Oh, poignard. Nul. Faut que je paye, j'imagine. Oh, Kiki. Vas-y. La séance, ça dure combien de temps? 50 si tu n'as pas de bouclier. Non morsi. Ça morse. Ah. Est-ce que vous voulez être fémousse? Ah ouais. Ça faisait longtemps, hein. Ah. Calme-toi. Je dois mettre des habits. Yatsugu. Va plus vite. Merci, tu m'attends là. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On peut entrer? Allô? Ah! Ouvrir. Coffre? Argent. Ça va. Ouvrir. Coffre. Oh. Pas drôle. Pas gentil, méchante. Ah, il s'est barré. Oh non, il m'attend. Non, mais parce que j'ai payé. Hein. Bonjour madame! Ah, elle a encore son truc sur la tête, mais quelle horreur!
Ce n'est pas le genre de visage dont nous sommes habitués à voir de nos rues. Dans nos rues. Tu vois, machin, elle est juste en face de nous. Nous allons devoir conduire des morceaux des sables pour nous approcher d'elle. Tu es prêt? Bien sûr. Oh! Nous allons chacun conduire un morse. Je te guiderai. Observe-la et guette des occasions de tirer des flèches explosives sur ses quatre pattes. J'en ai pas. J'espère qu'elle va m'en donner. La foudre qu'elle fait tomber est très dangereuse. Un seul coup pourrait être fatal. Tant que je porte ce masque, sa foudre ne peut pas m'atteindre. Je peux aussi t'en protéger, mais sa portée n'est pas grande. Si tu t'éloignes trop, tu seras exposé au danger. Encore une chose, si tu es trop blessé pour poursuivre le combat, promets-moi que tu retourneras au poste d'observation. Prends mes flèches. 20 flèches. Tu es prêt? Toujours. Bien sûr que je suis prêt. Pourrais-tu reculer un peu? Alright. Waouh, Patricia est trop belle. Mon nom est Reiju, descendante légitime de la famille royale Gerudo. Le temps est venu de recourir à la puissance de la relique pour calmer Valar Morghulis, la créature divine. Valar Morghulis? Oh. Ah! Ça doit être le rayon de protection. Alright. Faut pas que je sorte de cette zone. Putain, c'est court, hein. Je sens une grande puissance m'envahir. Allons-y. Yes, sir. Lui, c'est pas lui. Il va mourir, il va pas comprendre. Bernardo. Protège-nous, gnagne. Coucou, Zaeld. Aïe. Attends, calme-toi, Pedra. Ok, ok. Reste près de moi. Ah. Qu'est-ce que je dois faire? Ah ouais, non mais à un moment donné, c'est compliqué de rester dans un cercle où on n'avance pas du tout à la même vitesse. Ok. Qu'est-ce que je dois faire? Jean Diego, il faut t'approcher de la méchante bête. Ah ouais, c'est loin. Le cercle est tout petit. Oui, il est tout petit. Ah, il y a un temple. Attendez, madame. Non mais... Elle est sérieuse. Ah. D'accord. Oh, le bip bip des enfers. C'est que si j'accélère, il va beaucoup trop vite. Ok, il est juste en face. Faut que je vise dans les pattes. Ça a plus du fion, ça. Ah. Link. Oui, alors, pour autant... Dans ma gueule. Direct, c'est sûr, 100%. Un problème. J'ai de la bouffe. Ok, ok. On peut rester là, hein. On est beaucoup trop loin. Prends. Beaucoup trop loin, hein. Touché. Touché. Ah, elle me dit Kuzo. Ah, j'en mets cheveux, tu vas te faire... Non, je m'éloigne pas. Elle me pas se mentir, c'est un peu loin là. Ça va. Non mais parce que bon... On y va, non? Viens par ici, mais je suis là. Et...
crains rien. Encore crevé, moi, avec ces conneries. Ça pouvait tomber maintenant. Voilà. Perfect. Maintenant, maintenant quoi? Toi qui tire peut-être? Oh ah. Quelle pute. Soit tu me suis, soit tu... Mais... Fatigue, hein. Ça a foutre, moi. Il me fatigue. Oh, je vais y aller toute seule sans son truc, là. Ça me fatigue. Allez, let's go. On bat les couilles. Chez. Non mais bon, il y a un moment... on y va quoi. C'est ok quoi. Ouais, foncer dans le tas, ça marche toujours en homme, on est d'accord Anto. Il hein, y a un moment... Bon, voilà quoi. Oh non, le pauvre! Oh, oh, comme il plisse ses pattes, c'est horrible. Gotcha! Non! Ça va. Je n'ai pas le choix, je dois te confier cette mission, bien sûr. Bah, je serais mieux sans toi, hein. Clairement, tu m'as saoulé. Hop, let's go. Quoi, il se relève? IQ. Ah, parce qu'il va bouger tout le long, du coup. Haha. Quoi, il est déjà bientôt 4 heures? Oh non. Nyo. T'en passes vite quand on s'amuse. Ce soir, je n'ai Boris, ce soir à disco. Voilà un visage que je ne suis pas prêt. Pas fâché de retrouver. Je savais que tu reviendrais. Vas-y, donne ta carte. Oula, oulala, ça va être compliqué. Oh, un coffre, à moi. Oh, la goutte. La pierre guide possède toutes les données. Ok, ok, ok. Alors, déjà. Ah, le gâchis. Moi, oh, je suis full life. Comment ça se fait? Oh non, il est tombé. Ah, c'est bon, il m'a laissé son jouet. Nul. C'est quoi qui clic-cling? Ah, c'est un œil. Dégage. Mifa t'a soigné. Ah oui, c'est vrai. Tellement gentil, Mifa. Qu'est-ce que c'est que ça? De l'électricité. Ben voyons.
La grosse couille de la fin. Ah, c'est celle-là. Hein. Voilà, c'est ça. La grosse couille de fin. Et la carte, elle est là-haut. Voilà, les Ah ouais, la grosse couille de fin. Ouais. Yop yop. Oh le goût. Tégré. Alors. D'accord. Pardon. C'est vrai que ça l'enlève. Yosh. Je t'en ai de voir des bonnes rien. Okay. Oh, ce qui va être chiant, c'est le boss de fin. Mais... Remarque Robinson dans son premier rôle. Eh ouais. Alors, là, on a les trois Titi. Jan a juste là. Quoi ça? Pivoté A. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas. Ouh. Ah, il est dans cette boîte. Il est dans la boîte. Il est dans la petite boîte. Putain, t'es pas obligé de rôter comme ça, Jean-Marie. Est-ce que je peux monter au mur? Non. De coffre. Ah, attends. Du coup. Viens voir un peu là. Non mais. Non mais. Oh Jean-Diego, t'es pénible. Je vais juste voir comment on rentre dans toi. Comment je rentre dans ce truc des enfers? Ah! J'en ai aucune putain d'idée. Alright. Le pire donjon. Ah. Courageant. On va y arriver. Non, j'en viens. Pas le con. Ok, l'entrée est de l'autre côté. L'entrée est de l'autre côté. T'es... J'ai cru que j'avais vu une entrée. Je suis débilos. Là, on va refaire un tour complet. Et ce go. Let's go, Pedro. Lâche rien. Où est l'entrée de ce truc de malheur? Mais c'est pas possible. On est d'accord que toutes les faces sont bouchées. Hmm. Tant pis, nous verrons plus tard. Ah ! La glissade. Let's go. Fils. Il craint. Alors, toi là.
toi tu m'embêtes. Toi tu vas être dans... Toi, écoute, on va essayer un truc, tu me diras ce que t'en penses. Voilà. Ah oh, elle m'a fait peur. Vas-y, fais pas peur comme ça là. Trou de balle. Non mais... Ah. Oui, il faut juste trouver le moment où il va y avoir un trou. Alors du coup... Du coup j'imagine que le machin va popper devant moi et qu'il va falloir que je saute dans le trou dès que je le vois. J'imagine. Bonjour Ah non, mais on l'a déjà vu Natwood, il est là depuis tout à l'heure. Ma gueule ce truc ? Comment ça se passe ? C'est quoi son problème ? Il est où le Titi ? Quoi ça ? Attendez, mais je suis débilos du cul ou quoi ? Coucou Alex qui... Non mais... Des bisous à Eld. Pour autant, il se fout de my... il se fout de moi. Il se moque. Non mais... Ta mère. Oui mais ça tourne, j'avais bien compris. Mais il y a forcément une face à un moment donné qui est ouverte pour rentrer dedans. Donc vu que j'avais fait un trou dans le mur, j'étais censée pouvoir rentrer dans via le trou, tu vois. Ce que je veux dire ou pas. Sauf que j'ai pas vu de trou moi. Clairement pas vu de trou, alors est-ce que je modifiais le bon ? C'est encore une autre histoire, mais... Non, pas forcément. Tu penses pas qu'il y a un trou, tu penses pas qu'il y a un trou dans la boîte pour pouvoir rentrer dans la pièce, toi ? Elle est où la pièce, déjà, là ? Pourquoi je la vois plus ? Qu'est-ce qui se passe ? Ok, je suis définitivement complètement débile. T'es plus sur le même anneau, voilà, voilà. Non mais voilà, c'est... D'accord. Je suis complètement débile, c'est... Mais d'accord. Mais bon, c'est pas grave, hein. On n'est pas tous extrêmement intelligents, voilà. Ah, quel boulet des îles. Incroyable. Du coup, faut que je monte là. Que je fasse ce que je pensais faire, mais pas au bon endroit, quoi. Comme un gros trou de balle. Sauf que je peux pas monter là. Yuvali, vendu. Hein, cassez-moi pas les couilles. Ah. Il veut pas. Ah oui, parce que ça fait un... D'accord. Ok. Dégage. Saloperie.
tricheuse, j'avais pas ce pouvoir. Mais ah ouais, ce que je te dis, c'est pas de la triche, c'est le jeu. Donc, revenons à nos moutons. Plus vite. Gotcha. Et de 1. J'ai enfermé dedans. J'ai appuyé combien de fois sur le machin? Laisse-moi sortir. Non. Je suis enfermée. Quel enfer. Quel débile. Ok, on en a un. Celui-ci. Dove ti trova. Là, il y a un truc là-haut. Je monte là-haut. Ah, mon chat se bat contre la fenêtre. Il va y avoir quelque chose. J'y crois! J'ai bien fait de croire. T'es nul! Plus du fion. Oh, t'es si nul, Jean-Marc! Quand même pas réutiliser Rivali mes boules! Mais ouais. Ok, le coffre c'est ok. Où est la bête? Où est la machine? Alors il y a la grosse couille au milieu. Il y a pas un autre truc? Non, c'est la grosse couille. C'est la grosse couille. J'imagine que oui. Toi. Et alors le dernier, c'est à l'inverse de moi. Oui, donc j'ai un sens de l'orientation. Voilà quoi. Mais t'es stupide, ma parole, mon pauvre ami. Aïe aïe aïe. Y a que le pouvoir d'Urbosa que j'utilise peu pour l'instant. Attention hein, je ne sais pas qui est cette personne. Ça, tu sais qui c'est dans son... Je sais pas qui c'est, on l'a pas vu. Je crois pas qu'on l'ait vu. Hein. Il est où Jean-Michel machin là? Mais on l'a vu, Urbosa? C'est la fameuse qui était avec Zelda? Je sais pas, j'y vais là, mais je sais pas pourquoi.
Mais il est où, Diego? Il est absolument pas là. Je suis dessus. Aemonite? Ah oui! Où est-ce que je peux me coincer? Où est-ce que je peux glitcher? Alors. Paf 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 et paf, c'était sûr. 2000%. Oh nul. Ça sert à rien. Il est où du coup? Ah ça y est, je suis bien nu. Il est où? Au-dessus. Sur ces deux machins. Allez, nique. Attendez. Faut pas le faire ici, ça n'a aucun sens. Tiens, mets-toi. Voilà. Il est où Jean-Diego machin là? Mais... Il est là-haut. Ah ouais, mais là j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde mon patatoum là. Il y a plus le vent déjà? Aïe aïe aïe, oh l'enfumade. Ok, là je dois aller dans l'autre sens. Comment je fais pour changer de sens? J'ai fait de la merde. Je peux pas changer le sens des flèches là? Personne ne sait. Mon cul. Allez. Mais arrête-toi ! Putain ! Mais c'est pas vrai, hein. Parce que là, je peux pas le faire dans ce sens-là, là. Non mais... De Dieu... Je suis sûre qu'on peut changer la flèche de sens, ce serait pas logique sinon... Aïe aïe aïe... On n'est pas rendu, les gars. J'ai envie de vomir. Ah ouais. Il faut juste que j'arrive à me coincer quelque part, quoi. Mais bon. Éventuellement là. Là. C'est chiant, moi j'essaye de régler le sens de tournicoton, c'est plus simple, hein. Mais on peut pas. Plus que encore 3, mais quel enfer! Il y en a un dans la bosse, un dans la tête et un. Bah, le dernier c'est la couille du milieu ou pas? J'ai pas l'impression, moi j'ai l'impression qu'il y en a un. Que c'est pas du tout celui que je pense là.
Il y en a un autre, à mon avis. Ah oh, putain, j'aurais dû monter sur la tête, moi, quelle quiche. J'ai pas pu. Je suis trop nulle. Oh! Attends! Jean-Diego! Attends, vois? Ça fait un bien. Il y a eu un courant. Peut-être qu'il faut mettre le courant tout partout. Ça fera peut-être un truc. Attendez, faut que je monte là, mais je... Mon cerveau, il est plus tout là, là. Qu'est-ce que ça va faire, ça? Ça s'arrête jamais? Ah mais quand je tourne, ça fait un tour complet à chaque fois, c'est ça? Je croyais que ça tournait d'un quart, hein, d'un quart et d'un quart. Ah non, ça fait un quart, un quart, un quart. Hein. Là ça tourne pas dans le même sens. Moi je suis complètement paumée. Hein. Ok. Ah ouais, non, parce qu'il faut que ça soit au-dessus. Aïe, aïe, aïe. Genre ici. C'est par là, hein. Coucou petit chat. Ça va Nini? Ben oui. C'est ça. Je suis désolée, hein, je suis un peu lente, hein, mais... Ça, je le tourne comment? Pour beaucoup, c'est le jour le plus dur. Ah. Je sais pas. Je
Être un fan. Et en dessous de moi, comment je tourne ça? Je vais tourner quelque chose d'autre que ça. Non, donc c'est un truc avec le courant. Bonjour Jérémy. Je vais tomber 100%. Comme ça je peux figer. Mais je vois pas l'intérêt. T'as le droit de remonter. Je vois pas l'intérêt dans ce sens-là du moins. Il est en dessous, il est en dessous. Il est genre là. Donc il faut que le truc, j'arrive à lui faire remonter son visage. C'était pour vérifier qu'il était bien en dessous. Donc ça veut dire qu'il y a un autre mécanisme qui doit se mettre en route. Certainement avec ça. Comment? J'en ai aucune putain d'idée. Ouais, ça me plaît pas mal, ouais. Plutôt pas mal. L'attraper ou pas celui-là, je sais plus. Non, mais ça doit se faire de l'autre côté. Ça doit être la grosse couille, hein, je pense. Je sais pas ici. Ah! Ah! C'est à moi. Lâche. Ouais, je suis obligée de le couper, mais... Oh, le gâchis. On va penser à aller le chercher. Ah, Mifa est là. Cool. Et là, l'énergie. Elle est là. Adieu, petit coffre. Non, on ira le chercher. Bah, grave. Parce qu'il n'y avait rien d'important dedans. 100%. Est-ce que ça nous ferait pas un peu chier aussi, là, que tout soit en haut, là? On peut plus aller nulle part. Et dans celui-là, peut-être. Tout là-haut, là, il faut que j'aille là-haut. Hein. Après, en soi, je peux casser le courant, on s'en branle un peu la nouille, non? Ou alors j'utilise encore Rival, les...
utiliser un gali. Ok. Oh merde, il faut réfléchir. Quel enfer. Ah. Ah. Qu'en est-il de sa tête? Quoi ça? Ah, j'aurais dû monter. Ça passe pas. Aïe. Bonjour, boulevard dehors! Oh, un œil! Non. Pardon? Mais quoi? Ah! M'a fait trop peur. Il est moche! Ok. Aganaka. Quoi? Ah, faut que je... Oh, il y a un truc là. Oh lolo, qu'est-ce que c'est que cette pièce? J'ai plus énormément de flèches, c'est un problème. Balle. Il est où l'œil? Vas-y, ramène ta chic, Jean-Michel. Tiens. Ok. Bah oui, forcément. Putain. J'ai rien le temps de voir du coup. Pas trop près, s'il te plaît. Débilos. Bon, alors par contre, ça passe là. Mais ensuite, ça ne passe pas, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans cette pièce des enfers? Qu'est-ce qui se passe dans cette pièce des enfers? Ah, il faut peut-être que tout soit bien à l'intérieur. Ben, ça n'a aucun sens. Ah, une salle là. Oh non, c'est la sortie. Trop de balles. Qu'est-ce qui se passe?
Au courant. Censé ouvrir la porte là, à mon avis. Où est-ce que j'ai chié dans la colle? Le courant passe bien ici, c'est vert. Là, il y a ma boule. Ah, mais je suis débile, pourquoi je peux aller là? Elle est où? Elle est où la saloperie là? Meurs toi aussi. Mais je sais pas que je suis patiente hein, là pour le coup, c'est pas compliqué. Pas plus que ça en tout cas. Ça va. Il reste que deux, encore deux on dit. Donc celle du milieu. Qu'est-ce que c'est? Gotcha. Ah. Voilà pourquoi il faut ramener le courant électrique jusqu'ici, eh. Et qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est cette chose? Qu'est-ce que c'est que ce truc? On l'a jamais vu. Non, je prends pas de haute France, mais non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'électricité, ça. J'ai envie de tirer dedans, mais j'ai plus que 6 flèches. Hein. Bof, bof. Ah! J'ai pas une flèche électrique qui traîne? Ça, si jamais il faut de l'électricité, on va en prendre un peu. Voilà. Bonjour mesdames. Petite musique. Oh, deux boules. Quoi ça? Oh, deux boules. Mais on en a pas deux? Non mais attendez, moi j'ai pas eu de boule hein, j'en ai eu qu'une au-dessus. Y a pas des... Attendez mais suis-je bête? Maybe. Ah peut-être les coffres, j'aurais pu les utiliser. Hier, je lui sens une flèche explosive. Quoi? Toutes tes pierres précieuses. Ah, oh, putain. 10 000 lumières. Ah, ah, c'est à moi. Donc ça, ça m'est utile. Grosse débile. Grosse nulle. Nulle. Il y a peut-être un deuxième. Ou une boule. Un truc. Faudrait un bouton d'urgence pour les motos.
Non mais ça va, je vais pas faire une attaque. Hein. Au pire, si ça va pas, j'arrête. Hein. Voilà quoi. J'ai pas loupé de boule et... Non. Ça va, t'as rien, arrête, t'es si magré. Tricher, hein. Coucou. Coucou Yas. Coucou. Comment il va? Tu m'as abandonné aux prises avec des... Ouais, complètement. Ça ne fonctionne pas. Ah. Ça marche pas suffisamment longtemps. Damn. Il manque une boulette du coup, mais je sais pas où elles sont les boulettes. Et puis du coup, l'autre il a baissé sa queue. Les couilles. Les statues, tu vois. Ton abonnement a sauté. Coucou, Zouadou. Ça a sauté. Putain, mais... Comment je monte? Il y a encore un étage, mais je ne sais pas comment on... Par là. Oh, aïe, aïe, aïe. Bonjour la débile. Qu'est-ce que ça fait? Tu viens de claquer ton prime? Ici? Pourquoi j'ai pas l'annonce? Pourquoi ça sert à rien quand je tourne? Attendez, pourquoi ça sert à rien quand je tourne? Eh ben merci Zouadou pour ton prime! Eh les gars, pourquoi? Il y a la boule là-bas. Je vais le garder, le pouvoir de l'oiseau. Là, il y a une boule. Par contre, faut monter. Pour autant, je comprends pas cette manuelle. Ah si, j'imagine que c'est la manuelle du, de la tête, mais ça n'a rien fait. Quand j'ai fait. Oh, je me suis trompée de côté. C'est bon. Oh, he's ok, Link, he's ok. Non mais... Pourtant, je veux vraiment la manivelle, là. I really don't understand. À boire. Oh putain, le truc va me casser les couilles. Elle parle mal. Je sais. Toujours pas fini le Zelda. Ah bah non. Je pense pas qu'on ait son temps. On va pas le finir tout de suite. Ok.
il nous en reste un, celui de la tête. Sauf que la manivelle, je pense que c'est de servir un truc. Mais... cette putain de manivelle là. 100%. Hein. Est-ce qu'il faut que je ramène une boule sur le truc du début? Peut-être. Je sais plus où faut le mettre. La manivelle, là là là. La 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 la, la manivelle. Ouh, manivelle. C'est où? Aïe aïe aïe, c'est pas là. Si c'est là. C'est pas là. Si? Je suis complètement paumée. Si, c'est ça. Alors, la manivelle. Let's go, manivelle. Qu'est-ce que tu fais? Tu tournes le truc là. Ah, pour le courant. Ah, pour pouvoir utiliser la boule. D'accord. Ok. C'est tout? Ah non, il y a d'autres trucs qui bougent. Ah oui, mais c'est juste la plaque qui, du coup, on a déjà vu. Ok. La chatte. Quoi, la chatte? Et du coup, ça me stresse quand même. Comment... Ça tourne pas, quoi. Comment je le tourne, cette merde? Triche! Ah, c'est bon. Ça va casser les couilles. C'était une triche, somme toute. Et comment je tourne ça? C'est en train de me chauffer le cul là! Oh, il y a peut-être des trucs en bas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, putain, je suis débile. Oh, j'ai pépé. Partir. J'abandonne. Non, jamais. Jamais. Je ne suis pas une abandonneuse. Pourquoi elle s'énerve, mémé? Alors, calme-toi. Mais non, je comprends pas comment je le tourne, ce truc. C'est le seul truc qui nous reste ou quoi? Pour me plaire, hein. C'est pas logique. C'est quand même pas au cul. C'est même pas la manivelle qui a au cul, tu vois. C'est aucun sens. Ça n'a aucun sens. Pourquoi je suis jamais allée là? Pourquoi? Des bisous, des blocs! Je savais pas qu'il y avait ça. Ah, j'avais pas vu.
C'est pas très cool ça. C'est un peu de la saloperie de faire ça. Mangeons. Mangeons un melon, une pumpkin, j'en sais rien, mangeons un truc. Voilà. Oh mais nique ta mère hein. Pardon. Enfin. Ouh. Oula gâchis. Je suis vraiment... par contre je parle mal hein. C'est pas très bien ça. Remangeons. Quel enfer. Et la patience, hein. Bon. Ok, donc ça a servi à rien de venir ici, à part un coffre que je peux pas prendre le machin. Ça, c'est peut-être censé être ouvert. Hein. Peut-être faudra-t-il... La patience, c'est Bronze qui dit ça alors qu'il m'a dit tout à l'heure. Oi oi oi. Moi, j'aurais déjà arraché 4 fois. Par contre, où est la logique quoi. Ça a vite basculé, une heure, ça fait hein, quand même. Il faut que je lui fasse lever sa tête. Pour ça, j'ai une manivelle à trouver. That's it. Qu'un moyen de trouver ce truc là. Comment, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Mais je vais trouver. Mais là pour l'instant, je ne sais pas. C'est le seul endroit. Donc là, il y a bien l'électricité. Allô, maman. Je vais trouver. Mais... manivelle, c'est mort. Jonathan, est-ce que tu peux juste me dire si ça se passe bien dans la queue là? Ce truc de c'est mort. Bah dans le cul là. Je sais pas où là, derrière. Oh bah ça y est, on l'a. Là, là, quoi, tu vois. Tout à gauche. Bah, y'a que là où on pouvait jouer avec l'électricité. Mais pour le coup, ça me semble pas logique de... Vous voyez? Non, pas que je me souvienne. Ok, ça me semble déjà plus logique. Puis d'ailleurs, c'est la tête ou c'est le cul, là? J'en sais rien. Cet endroit-là, je ne sais pas où est la manivelle, mais je vais la trouver. Après, j'ai pas envie de faire tourner ça, mais je vais le faire tourner. Parce que si ça se trouve, il y a un truc caché que je ne vois pas. À cause de ça. Non mais... Puis ça continue de tourniboler alors qu'il n'y a plus d'électricité. Ouais. Incroyable. Ah.
fais les choses. Déjà, il y a un truc à faire ici, mais... Ah, mais là, faut partir par dehors. Putain, il se trouve, il y a des manuels dehors. Hein. Je mets les traits par terre, on sait jamais. Oui, parce qu'il y a la grosse boule d'énergie là. C'est tout du milieu, donc on s'en fout. Donc là, tout est fermé quoi. Re-Benito! On est plein le cul! Réfléchis, Chacha. Réfléchis. T'as bien trouvé. Pas débile. Quand même. Je suis allée en bas, là. Oui. Hein. Oui, c'est là où il y avait le coffre et les crocs. Ça, c'est pour aller dehors. Je vais pas faire de pause, moi. Je suis pas une fille comme ça. Qu'on puisse sortir comme ça, il y a forcément un truc dehors. T'as cassé ça? Ah bah oui, bien sûr, dans la couille, bien sûr. Super. C'est bizarre qu'il y ait des petits balconnets là. Vas-y. Au moins on a le coffre. Pas têtu, c'est le but du jeu, c'est vrai, c'est un moment... c'est le but du jeu, en fait, que de faire le jeu, vous voyez? Ah, là, il y a... C'est quoi, ça? Kezako. Eh ouais. Non mais Jonathan m'a dit que c'était pas là de toute façon. Déjà on a eu un coffre. Une parodie sur les internets. Est-ce que ça a rouvert un truc peut-être hein? Peut-être que ça a rouvert une pièce quelque part, un truc incroyable. Vu que j'ai joué avec l'électricité, tout ça, c'est possible. Hein.
Je vois pas. Franchement, je vois pas du tout. J'ai l'impression d'avoir regardé tous les endroits, en fait. Alors, est-ce que j'ai... T'es sûr, coucou Mathieu, t'es sûr, Jonathan, que ça se passe pas à l'opposé, hein? On est d'accord. 100%. Oui, ok. Donc, je me focus pas là-dessus. Mais il doit y avoir un truc à la con ici, c'est pas possible, quoi. C'est juste pas possible. Genre, y'a pas une manivelle à la con, un truc. Possible. Forcément un truc. Et je triche pas, il y a un moment... C'est mieux que de regarder sur les internets, hein. Le problème, c'est que ça, moi, je veux bien le taper à l'infini, mais... C'est pas le souci, quoi. C'est pas le souci. Faut vraiment que je trouve cette manivelle des enfers. Après, remarque, est-ce qu'on a encore besoin de ce truc-là? Putain, ça se trouve, on... Est-ce que ce jeu a ne serait-ce qu'une seule logique? Mais ça n'a aucun sens! Mais ça n'a aucun sens! Ah ok, ah, super. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun putain de sens, les gars. C'est pas possible, c'est pas possible. Putain, ça, doit être... ça fait deux plombes que je te le dis que c'est pas logique, mais ouais, mais quand même. Mais non, mais c'est juste la mécanique. À un moment, quand tu tournes une manivelle, le truc tourne. Ou s'il tourne d'un côté, il tourne de l'autre. C'est logique. c'est du bon sens, c'est de la mécanique. Ok. Bordel de cul. Quel enfer. Laissez-moi sortir. Leave me alone. Ils veulent pas me laisser dormir. Oh ! Allons voir la grosse couille. Ah mais parce que sinon on restait deux heures là-bas derrière en fait. Et j'ai bien senti à un moment à un moment donné qu'il fallait que j'arrête. grosse couille. Tourne s'il te plaît. Non. Pas toi. Connard de chameau. Voilà une nouvelle du petit chat que j'ai récupéré tout le monde a déjà trouvé au bord de la route en... Il y avait des vers, bah ouais. La gale des oreilles, ouais. Faire gaffe, gale des oreilles qui touche pas ton autre chat. Hein. Je crois que c'est contagieux. C'est vrai, Jonathan? Oh putain de merde. J'ai oublié de te regarder. Oh, puis j'ai que dalle de flèches. J'espère que c'est pas un volant. Oh, je suis vraiment allée en mode. Non, dans les poches. Oh, t'es moche! Oh, si t'es moche! Oh, t'es pas. Ah, t'es pas beau! Et en plus, t'as un bouclier.
Pardon ? T'es où ? Mifa ! Allez, viens ! Prends-toi le poteau, trou de balle ! Ha ha ! Mais il est déjà parti ! Mais il est... Mais quoi ? Charlotte, oui. Moyen. C'est bon, j'ai compris. Par contre, faut que tu... Mange, Charlotte! Oui. Y'en a un anti-électricité, là? Du métal, du métal. On aime bien le métal, si j'ai ça. Damn. Oh, putain, mais nique-toi! Il me surprend. Il court vite, hein. Si. Ok, ok. Oula. Oh non, il va être épuisé. Oh, chier. Faut pas qu'il me touche une seule fois, sinon je crève. Ok. J'ai que 4 flèches. Quoi ? D'accord. D'où ce bâtard ? Regardez, il met son bouclier ! Je peux rien faire ? Je peux juste rien faire. Il en a rien à foutre là de ce que je lui fais, on est d'accord ? Il en a juste rien à foutre. Ça lui fait rien du tout. Il en a juste rien à péter.
Il en a juste rien à foutre. Vas-y, je te snob. Dégage. Il est où? Ah, il a pas aimé, je crois. Bah, je veux bien, les gars, mais je sais pas ce que je dois faire, en fait. On a compris, Micheline, le problème c'est pas ça. Le problème c'est qu'il en a rien à foutre de ce que je fais, que j'ai plus de bouffe et qu'à un moment donné il est que midlife en fait. Je t'explique, saloperie. Pourquoi ça clignote ça? Vous êtes bien plus belle sur un grand intervention. Mais nique ta mère, franchement nique ta mère. Commencer le combat, j'ai plus de bouffe, j'ai plus rien là. Fatigue lui hein. Qu'est-ce que je dois faire, putain? Il en a rien à foutre, je peux lui... Je pourrais lui jeter de l'eau dessus peut-être, éventuellement, mais... Ça fait des courants. Qu'est-ce que je peux faire moi avec les courants? Je peux faire quelque chose? On voit ta sauce là, Jean-Michel. Ah! Ah bah j'ai lâché mon truc, c'est pas... Attends, juste deux secondes, Diego. Il les casse, de toute façon. Je vois pas comment le toucher. Réfléchis. De la pluie. Le casque, elle m'a pas donné son casque, Mishma, machin, là. Mes couilles, là. Je sais pas. J'ai pas le temps, non, j'ai pas le temps de choper, c'est insupportable. Que j'aurais bien fait exploser la gueule, tu vois, mais j'ai pas le temps. Tu vois? À lui renvoyer ses éclairs. Mais non, tu vois, c'est trop... j'ai clairement pas le temps. Mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Le problème, c'est que tous mes trucs, c'est compliqué. Tornado mon cul, ouais. Ça me gavait, là. Comment je remonte? Hein? Comment je remonte, moi? Bordel de cul. Par l'escalier éventuellement. Oh putain, mais alors ça commence bien. J'avais oublié le début. Voilà. Mais non, putain, je suis derrière le truc. Non, vas-y, ça, je vais péter un câble, je vais plus jamais jouer à ce jeu. Clairement. Fatigue, là. Okay.
Nique ta mère. Franchement, mais nique ta mère, quoi. J'aurais dû garder des trucs en bois, putain, je suis vraiment trop con, quoi. Nique ta mère, putain! Mais il va bien mourir, t'es grand mort là! Truc à deux mains là aussi, ça, c'est de la grosse merde ça! Je déteste ça, quoi! Même pas te protéger, ça! Bon allez, je vous laisse là, j'en ai plein le cul, je vais le faire en off, voilà, j'en ai marre là, je vais m'énerver, ça ne sert à rien, donc voilà, hop, je vais le faire en off, m'énerver toute seule et pouvoir insulter la terre entière, et voilà. C'est compréhensible, merci Mara. Ah non, je vais le faire tout de suite, mais au moins je vais pouvoir insulter tout le monde. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain, et voilà, hein, ça m'a bien saoulée. J'avoue, je suis bien saoulée. Je vous fais des bisous. Merci d'avoir été là. Je me casse là, j'en ai marre, je vais tout casser. Ah bah au revoir, ouais, ouais. Ah désolé, hein, je suis pas trop du genre à rager, mais alors là, franchement, il m'a saoulée, là. Allez, des bisous, à demain, tchuss.